Pour la victoire, moi je suis ravi. Après pour le reste, j'adore mes joueurs parce qu'ils sont un peu insouciants, plein de défauts, plein de qualités, généreux, désordonnés, volontaires. Voilà, ça c'est mon équipe. Donc, je pense que ce ne sera pas la première et la dernière fois qu'on pourra gagner des matchs comme ça en fin de match. Parce qu'on lâche rien. Voilà, même après une très belle équipe ce soir par nous. Voilà, on est volontaire. Déjà, on lâche rien, c'est une grosse qualité. On a besoin de ça, on a un public fabuleux. Donc on se doit aussi, même si on gagne pas tous les matchs, on ne gagnera pas tous, mais au moins être irréprochable au niveau de la mentalité. Et ce soir, ça a été ça. Coach, car pour notre équipe, on l'a vu. La plupart des équipes, quand elles marquent un but en fin de partie, elles ont tendance à se replier, en défense, et faire des records. La vôtre, non, aujourd'hui, elle s'est portée vers l'avant. Elle a même eu le droit de prendre le pot, elle n'a pas y marqué un second but. C'est aussi ça la force de la GFK. Bah, disons que moi, je préfère continuer à jouer à partir plutôt que laisser gratuitement du terrain à l'adversaire. Voilà, donc si on peut continuer à les faire reculer, c'est beaucoup mieux. Les situations, oui, on a eu un dangereux. Après, voilà, j'avais changé de système aussi un peu. On va dire que la qualité moindre m'appartient. Voilà, j'ai voulu changer de système parce que pour la première fois, depuis que je suis en Algérie, j'ai pris en considération plus que les autres la qualité de l'adversaire. Et moi, je ne regrette pas parce que c'est une très très belle équipe. Mais comme j'ai dit, j'ai des joueurs qui sont insouciants. Ça, c'est une qualité. Parfois, ça va être un défaut, mais ce soir, c'est des joueurs. On avait pris un pari avec Fiston qui est rentré tard hier soir. On l'avait annoncé dans la liste de musique, pas forcément titulaire. Et puis, d'entrée de jeu, vous l'avez mis dans les roues. Il a été très actif aujourd'hui, je veux dire. Ouais, mais maladroit. Il a beaucoup bougé. Non, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit voilà, qu'il y avait. J'attendais lui sur 45 minutes. J'ai dit, même si tu as sur 45 minutes, puis après on verra. On verra pour la suite. Donc, on a remarqué l'absence de beaucoup de joueurs aujourd'hui dans les rangs déjà, les rangs des 18. Oui. Est-ce que c'est une mesure disciplinaire, c'est un choix, et il sera de nouveau dans les groupes. Voilà. C'était un choix qui était cool. Je voulais un peu plus d'attaquants, de joueurs offensifs, parce que je me disais si on aurait un peu plus de difficultés. En fait, j'étais champion offensif plus que offensif. Donc c'était juste une stratégie, mais non, ils s'entraînent bien. Tout se passe bien. Il arrivera avec nous. Oui, on a parlé, il n'y a pas de problème. Vous avez eu le côté de base, mais le nombre de l'occasion était du côté paradigme. Est-ce que vous êtes une équipe qui est dans la sélection? Avec ce genre de système, peut-être. Avec notre premier système, non. On est plutôt une équipe qui aime manœuvrer le ballon. Là, on avait décidé de jouer un peu autrement. Paradigme, c'est une équipe qui est scindée en deux. C'est 4 et 1 qui défendent et 4 et 1 qui attaquent. Donc l'objectif c'était de trouver le plus rapidement possible les joueurs dans les intervalles. Voilà, mais ils nous ont gênés, parfois on a manqué de jugeote, on a manqué d'intelligence, et puis parfois c'est juste un petit coup de génie, un bon sens et une bonne tête. Voilà. Vous parlez de. J'ai entendu parler du stratégie. Donc aujourd'hui on a constaté qu'elle était un peu pour nous. Ah oui, j'ai un avis presque différent de mon camarade qui a joué plus de temps et d'un peu actif, et on a dû subir le contraire. Quand je jouais avec lui, il a fait bien dans le rôle, et puis il rentrait tard, voilà, pour contrôler. Il est rentré, il était 2h du matin, il a bien dormi, il a eu des massages, il a eu un petit peu de traçage, on a parlé, moi je lui ai demandé 45 minutes, pas plus. Voilà, l'objectif c'était 45 minutes. Donne ce que tu as, c'est un joueur important parce qu'il est malin. Il pèse sur les défenses, d'accord.
il est jeune, il n'a pas non plus, donc il est clair qu'il est apte aussi à pouvoir enchaîner au moins 45 minutes, donc c'est un objectif. Mais ouais, non, mais moi je ne modifie pas la qualité moyenne de ce soir, elle est due aussi au fait que j'ai changé la stratégie, j'ai changé la façon d'évoluer. Voilà, et c'est comme ça. Et que, du coup, par rapport à ce qu'on a vu, un grand rythme, surtout les dernières minutes, il y avait un grand rythme aussi, il n'y avait pas de rassemblement, il n'y avait pas de... On dirait que l'équipe était perdue. C'est des fous. Alors, ce que vous dites, c'est faux. Quand je reviens sur Fini, l'équipe est généreuse, on arrive encore à attaquer même en gagnant 1-0. D'accord ? C'est ce que je veux, moi. J'ai pas envie d'avoir 11 joueurs dans ma partie de terrain pour défendre un but. C'est complètement idiot. Si on doit attaquer à 3 ou à 4, et ben on attaquera à 3 ou à 4. Même si on attaque à 4, on a encore 6 pour pouvoir défendre. Donc ça suffit amplement. C'est juste une question de mentalité. Si on peut faire mal à l'adversaire, on va pas se gêner. Justement, à propos de mentalité, aujourd'hui, vous êtes la seule équipe à mettre. Une pression supplémentaire. Comment vous comptez un petit peu aujourd'hui, vous avez fait des retards. Moi j'ai dit aux joueurs avant le match de ne pas revoir le classement. Donc nous on continue notre bonhomme de chemin. Et... Non mais ce que je veux dire, c'est la conséquence, peu importe, un recul, ouais. Mais plus la série avance, plus la fin est proche. Donc, ça m'intéresse, franchement, ça m'intéresse. Parce qu'il m'intéresse au pire, déjà, c'est pas prendre le nom. Déjà, ça m'intéresse. Et si on dit que le coaching est gagnant, puisqu'on va mettre le match en c'est pour ça que j'ai oublié les joueurs un peu plus offensifs sur le banc, parce que je savais qu'on aurait peut-être des difficultés, et des joueurs qui sont un peu plus atypiques, plus puissants, plus de jeunes qui sont plus. Qui ont envie de jouer aussi, pas plus envie, mais qui ont envie de jouer. Dans ma tête, c'était prévu. Voilà. Ça a marché, tant mieux. Ça sera le prochain adversaire. Oui. Un mot sur ce match, déjà, sur la préparation de ce match. On va bien récupérer. D'accord. Et puis on va remotiver les troupes, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un rigolo beaucoup motivé pour aller jouer là-bas. Donc, non, on va compter les blessures, les bobos, et puis on va faire un état des lieux sur l'effectif. On va préparer tranquillement, on va laisser les joueurs apprécier leur victoire au moins demain et se remettre dans le bain après-midi. On vous a vu à la fin du match, vous avez comme le mot, parce que j'avais l'impression qu'on a sorti de voir, vous avez pensé. À la mi-temps, j'aurais dit qu'on faisait ce qu'on devait faire. C'est pas à vous le faisait. Passer sur les côtés. Le seul centre qu'on a eu, on va prendre le deuxième but. C'est le but. Le problème, je dis, c'est il faut qu'ils respectent certaines choses dans leur vie. Ouais. On ne met pas une stratégie par hasard. D'accord ? Ouais, ce sont les joueurs qui gagnent. Et quand vous avez au bout de 10 minutes, les joueurs qui oublient, on leur a demandé sur la façon de faire, la façon de manœuvrer l'adversaire. Oui, c'est rageant. Et au football, vous n'avez, encore on a eu la chance d'avoir une toute petite mi-temps à la mi-temps pour l'eau. Et tu remets une couche. Et à la mi-temps, on a un peu plus de temps. Il y a 45 minutes qui sont passées. Et tu vois des joueurs qui ne font pas ce qu'on a travaillé dans la semaine. Donc ça, c'est rageant. C'est pas un fleur, c'est que j'ai des joueurs généreux, insouciants, désordonnés, qui ne lâchent jamais. Quel que soit la situation, ils vont pas lâcher. Moi, mon job, c'est de leur donner un cadre. À respecter, pas en changeant leur qualité, justement en profitant de leur qualité. D'accord ? On a fait les 4 premiers matchs, on a fait les 4 premiers matchs. D'accord ? Ce soir, il y a eu un changement tactique. On va dire que la moyenneté du match m'appartient. L'autre partie, la victoire, je leur laisse. Malqasim Mohamed Saïd, c'est le Tizi aussi.